Bonjour mes chers élèves, bienvenue. Alors maintenant, c'est la séance des sciences au quotidien. Les sciences au quotidien pour les élèves du CP, la première année primaire. Vous pouvez voir et suivre avec moi, surtout à la page 8 et 9. Et vous pouvez aussi recopier la bonne réponse avec un crayon. Alors, en commençant par des activités à la page 8. Bien sûr, le titre, c'est la science. C'est la science. La science. Bon. On trouve la bonne réponse. Il y a ici des mots qu'on doit valider ensemble. On trouve la bonne réponse. On a donc deux choix. On va choisir le bon choix, la bonne réponse. Une fourmi a normalement six pattes. Une fourmi a normalement six pattes. La fourmi n'a pas de quatre pattes. La fourmi a six pattes. Vous pouvez voir à la page 5, ceci est une fourmi. Elle a six pattes. Et juste à côté, il y a une grande image de la fourmi. Alors, une fourmi a six pattes. Une fourmi n'a pas de quatre pattes. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une pomme bleue. J'ai vu des pommes rouges, oui, jaunes, oui, vertes aussi, mais je n'ai jamais vu des pommes bleues. Alors, une pomme est rouge, normalement. Voilà. À la page 6, il y a une pomme est rouge. Une pomme est rouge. Comment est la pomme? La pomme est rouge. C'est à la page 6. Une feuille d'arbre est verte. Normalement, dans la nature, une feuille d'arbre est verte. Et peut-être orange ou jaune. D'accord? Peut-être orange ou jaune. Surtout en l'automne. On dit une feuille morte. D'accord? Il tombe sur le sol. La gelée est molle. Regardons toujours à la page 6. Hein? Juste en bas. La gelée est molle. La gelée est molle. La gelée n'est pas dure. Non, la gelée est molle. Par contre, une pierre est dure et vraiment solide. La glace est froide. On a, par exemple, ici sur la page 6, deux cubes de glace. On trouve dans le frigo. D'accord? On trouve dans le frigo la glace. On dit la glace est froide. Ah, la glace n'est pas chaude. La glace est froide. Et ce que vous voyez à la page 6, ce sont deux cubes de glace. Deux cubes de glace. Le thé est normalement chaud. On dit le thé est chaud. Et parfois, on trouve du thé froid. Oui, normal. Surtout en été. On boit du thé froid. Mais quotidiennement, on boit du thé chaud. Le thé est chaud, comme le café. Un ballon de football est rond. La tartine est carrée. Mais le ballon, c'est-à-dire la forme du ballon de football est rond. Par contre, une tartine qu'on mange souvent au petit déjeuner,
Elle est vraiment délicieuse. Une tartine est carrée. D'accord? Alors, on va faire un petit peu révision de tout cela à partir de la page 5 jusqu'à la page 6. Bonjour, mes chers élèves de première année primaire, CP. Aujourd'hui, on va voir des séances des sciences. Les sciences au quotidien. C'est un très beau livret pour comprendre les sciences, pour comprendre des animaux, des plantes, des matières, pour comprendre bien la chaleur, la lumière, l'air, le soleil, les étoiles, la lune, la terre et d'autres choses. Les sciences au quotidien, c'est vraiment un trésor pour tous les élèves de première année primaire. Et je vais tout simplement vous expliquer clairement. Alors, la science. De nombreux élèves me posent cette question. C'est quoi la science? Alors, d'après cette science, on va comprendre c'est quoi la science. Et aussi, on va identifier les différents êtres vivants et non vivants. Il faut comprendre qu'il existe des êtres vivants comme nous, les êtres humains, l'homme, des animaux, des plantes, des insectes. Ce sont des êtres vivants. Les non vivants, comme l'exemple de l'air, l'eau, le sol ou la terre et d'autres objets qui nous entourent. Voilà. Définir la science et aussi identifier les différents êtres vivants et non vivants, ce sont des objectifs de cette science. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, la science, mes chers élèves, est l'étude des mondes qui nous entourent. Par l'utilisation de nos sens, comme la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Ceci est une fourmi. Elle a six pattes. La fourmi, parmi les insectes, ce sont des êtres vivants. Ceci est une fleur. Elle a des pétales. C'est parmi aussi des êtres vivants. Alors, une petite information concernant la fourmi et la six pattes. Il faut comprendre qu'une fleur, elle a des pétales, comme l'exemple de tournesol. Ceci est une fleur, elle a des pétales. Alors, on continue avec l'étude de la science. Une feuille d'arbre est verte, mais pas toujours. Parfois, elle devient jaune, orange, surtout en automne. On dit, elle est morte. Elle tombe au sol, surtout en automne. Une pomme est rouge, parfois jaune, parfois verte. Il y a plusieurs espèces de pommes, mais jamais. J'ai vu une pomme bleue de ma vie. Le thé est chaud. Par contre, la glace est froide. Une pierre est dure. Par contre, la gelée est molle. Alors, la gelée, la pierre, le thé, la glace, ce sont des non-vivants. D'accord? Le thé est chaud. La glace est froide. Une pierre est dure, la gelée est molle. Ce sont des non-vivants. On continue toujours maintenant les êtres vivants. On va comprendre pourquoi ils sont tout à fait différents. C'est ce qu'on appelle identifier les différents êtres vivants, comme un éléphant est gros. Regardez bien la taille de cet éléphant. Et la taille de la souris. Une souris est petite, mais
Tous les deux, ce sont des animaux, des êtres vivants. Une tortue est lente. Par contre, un lapin est rapide. On ne peut pas attraper le lapin car il court vite. Un chaton est faible. Par contre, un cheval est fort. Mais le chaton est mignon. Et aussi le cheval. Et joli, et beau. Alors, comme vous remarquez, mes chers élèves, il y a une différence entre les êtres vivants concernant la taille, la force, la rapidité, la faiblesse, etc. Ce sont des caractéristiques des êtres vivants. Chaque animal à ses propres caractéristiques. Un cheval est fort, un chaton est faible, une tortue lente, un lapin est rapide, une souris petite, l'éléphant est gros. Voilà, on continue. Parlons un peu de la forme. Il y a des objets ou des choses qui sont tout à fait différents de l'un à l'autre concernant la forme. Un ballon de football est rond, comme vous voyez. Un ballon de football est rond, est rond. Sous forme d'un rond. Une tartine est carrée, hein? Sous forme d'un carré. Carré. Voilà. Alors, on constate qu'il existe de nombreuses espèces d'animaux, de nombreuses espèces de plantes, de nombreuses espèces des êtres vivants. Ils sont tout à fait différents. Et aussi, on constate qu'il existe aussi une différence, car il y a une différence caractéristique des êtres, des non-vivants. Par exemple, il y a des objets qui sont mous, par contre, des objets qui sont durs. Il y a aussi des objets qui sont chauds ou froids. Voilà. Concernant aussi la taille des êtres vivants et aussi la force, il y a d'autres différentes caractéristiques concernant la faiblesse, la force, la vitesse, la lenteur, etc. Donc, c'est ça l'objectif. Et la science et l'étude du monde qui nous entoure. Alors, on va continuer maintenant la correction des activités. Alors, pour deuxième activité de la science, faire correspondre les éléments de la liste A aux éléments de la liste B pour construire des phrases correctes. Regardez bien pour comprendre tout cela. Alors, il y a la liste A. Il y a aussi des éléments de la liste B. Un éléphant et une souris, un cheval, un chaton, une tortue, un lapin, comme vous constatez, ce sont des êtres vivants. On cherche leurs caractéristiques. Un éléphant est comment? On dit un éléphant est gros. Une souris est petite. On a déjà expliqué cela. Un cheval est fort. Un chaton est faible. Une tortue est lente. Un lapin est rapide. Alors prenez s'il vous plaît cette correction. Il faut comprendre d'abord et après faites la correction. Un éléphant est gros. Il faut comprendre cela. Une souris
est petite, un cheval est fort, un chaton est faible, une tortue est lente, un lapin est rapide. Et à la fin, si vous avez bien sûr du temps, vous pouvez dessiner une fourmi. Combien de pattes a-t-elle? Il faut vérifier que la fourmi a normalement 6 pattes. Ici, vous pouvez dessiner une fleur avec ses pétales en jaune ou n'importe quelle couleur préférée. D'accord? Voilà. Et à la fin, il y a une question vraiment très intéressante. Qu'est-ce que la science? Cette question répond à notre science. On a bien expliqué c'est quoi la science. Vous pouvez écrire avec le crayon bien taillé. La science est l'étude du monde qui nous entoure. Et vous mettez la fin, un point. D'accord? La science est l'étude du monde qui nous entoure. La prochaine séance sera donc pour les animaux. À très bientôt.